Hello tout le monde! Aujourd'hui, on va faire ce maquillage qui représente Jack Skellington, qui est au début du film. Vous savez, il est en citrouille et ensuite il enlève sa tête de citrouille et on voit que c'est Jack en dessous. J'ai voulu le faire encore une fois pour Halloween, un peu gore, donc en fait, vous avez forcément du sang. Il manque la partie qui est là, je suis vraiment désolée, mais j'avais plus de batterie. Je sais pas pourquoi ma caméra ne fonctionne plus très bien. La batterie ne tient plus du tout, donc voilà. En tout cas, j'espère que ce make-up vous plaît. Je vous laisse avec le tuto et je vous retrouve juste après. Je commence par appliquer de la colle sur mes sourcils pour créer un cache-sourcil. Donc je le fais plutôt vers le haut pour aplatir les poils. Et ensuite, par-dessus, je vais venir poudrer pour fixer. Bien sûr, vous répétez cette opération autant de fois qu'il vous le faut. Pour ma part, un ou deux passages suffiront. Si vous ne voulez pas qu'il y ait trop de matière, avant de poudrer, essayez de brosser vos sourcils avec un goupillon pour enlever le surplus de matière. Et bien sûr, à chaque fois, je viens retirer la poudre qui est en trop. Avec un crayon blanc, je vais commencer à dessiner la ligne qui me permettra de déterminer à quel endroit commence la citrouille ou se finit la citrouille et commence la tête de Mr. Jack. Une fois que c'est fait, je prends du coton et de la colle à fossile. Je viens détruire le coton, bien sûr, parce qu'il me faut des morceaux pas du tout réguliers, donc pas avec des angles ou une ligne droite. Et je viens appliquer la colle à fossile et par-dessus les morceaux de coton. Une fois que les cotons sont posés, on vient recouvrir également de colle, aplatir un côté et laisser en relief l'autre côté pour avoir cet effet vraiment cassé et créer du volume. En attendant que la colle sèche, je vais reprendre mon crayon blanc et commencer à dessiner les contours des yeux, du nez et de la bouche, du côté de la citrouille pour le moment. Encore une fois, je me répète, mais essayez d'avoir le modèle à côté de vous, c'est quand même vachement pratique. Une fois que c'est fait, je prends ma peinture orange et je viens l'appliquer sur tout le côté citrouille de mon maquillage. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, je commence toujours par prendre du maquillage à l'eau et ensuite je finis par le maquillage gras que je vais pouvoir poudrer pour que la couleur reste assez longtemps. Et bien sûr, on ne laisse pas le maquillage dans cet état. Avec un gros pinceau, on vient retirer la poudre qu'il y a en trop sur le visage. Puisqu'à chaque fois que je fais du face painting ou du body painting, je commence par les couleurs claires, je passe maintenant au côté Jack Skellington. Et là, je vais commencer à dessiner le contour de son œil et où à peu près je vais mettre la bouche, puisque c'est ce qui va m'intéresser après, vous allez voir pourquoi. Et ensuite, je remplis tout à la peinture blanche. Et encore une fois, après le maquillage à l'eau, je viens appliquer le maquillage gras que je vais poudrer ensuite. Et voilà pourquoi je voulais savoir où serait le sourire de Jack, car je voulais retirer un morceau de latex pour que le sourire de Jack rentre dans le sourire de la citrouille. Du coup, avec un ciseau, je retire le latex qu'il y a en trop. Et ensuite, je peins l'intérieur en blanc pour qu'il y ait une continuité dans le maquillage.
Je viens ensuite prendre ma palette la plus colorée et je vais commencer à faire les contrastes, c'est-à-dire les traits de citrouille. Vous savez, c'est très volumineux une citrouille et ça a des sortes de coussins. Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais il y a des volumes, quoi, c'est arrondi. Donc je vais commencer à faire des traits un peu larges avec du orange. Attention à bien faire correspondre les lignes. Quand vous commencez du haut et que vous allez jusqu'en bas et qu'il y a une coupure comme l'œil ou le sourire, il faut vraiment que ça corresponde à la fin. Avec le même fard, je vais également commencer à esquisser les volumes en haut et en bas de la citrouille. Et je vais répéter les mêmes étapes avec un fard marron et un pinceau plus petit. Attention, il faut que ça aille du plus large, donc le orange, vers le plus fin, le marron. Vous allez voir qu'après, je vais utiliser un fard gras pour faire des lignes beaucoup plus fines et c'est ça qui va créer le volume. Du coup voilà, avec un pinceau beaucoup plus fin, je prends un fard gras marron et je vais repasser sur les lignes. Mais cette fois-ci, je n'estomperai pas le fard, car les fois d'avant, avec le fard en poudre, j'ai estompé. Mais là, je veux vraiment quelque chose de tranché. Il est temps de passer au noir et là je vais commencer par mes cheveux parce que je voulais vraiment voir ce que ça donne et petit à petit je vais me rapprocher bien sûr du contour du dessin que j'ai fait. On n'oublie surtout pas le cou. Et encore moins les oreilles, c'est super important qu'elles disparaissent dans le décor, du coup hop, bon coup de peinture noire à l'intérieur même. Et je fais également le contour du visage de Jack. Je remplis ensuite l'intérieur du visage, c'est-à-dire les yeux, le nez et la bouche, toujours en noir. Avec un pinceau plus fin, j'en profite aussi pour faire les détails du visage de Jack, donc c'est-à-dire son sourcil, entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment un sourcil, et son sourire. Ensuite, avec un pinceau beaucoup plus fin, du bordeaux et du rouge, je fais la séparation donc, entre les deux visages pour créer cet effet de déchirure ou de cassure et de citrouille ensanglantée pour Halloween. Et je ne le montre pas forcément, mais je vais également mettre du noir pour le contraste. Une fois que toutes ces étapes sont faites, je me suis rendu compte que ma citrouille n'avait pas assez de volume. Du coup, avec un fard marron, je crée des ombres. Et ensuite, vous allez voir, avec le fard blanc gras, je vais créer de la lumière. Pour ce qui est des points de lumière, on les voit très bien tout en haut de la citrouille. Je trouve que ça rend vraiment bien. On dirait vraiment qu'il y a un spot juste au-dessus. J'en ai également mis autour de la bouche, autour du nez et autour de l'œil pour vraiment un effet de volume. Ouais, je me suis encore mise à poil, mais franchement, je suis désolée. Ma caméra ne fonctionne plus très bien, du coup, je n'ai pas l'étape body painting. Vraiment désolée. Du coup, on passe directement à l'application du sang. Je vais en mettre dans la coupure, donc entre les deux visages, et je vais dépasser légèrement sur les deux visages pour vraiment créer cet effet ensanglanté comme on peut le voir maintenant. Et je termine ce maquillage en mettant du noir dans mes muqueuses.
Et voici donc le résultat final. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. C'est le dernier de la série. Ça me tenait à cœur que ce soit Jack parce que c'est un de mes personnages préférés, surtout que c'est Disney et Tim Burton en même temps. Donc c'est quelque chose que j'adore. Donc les Tim Burton et les Disney, c'est deux de mes passions. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère vraiment que tous ces petits tutos d'Halloween vous ont plu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et moi, je vous fais plein de gros bisous!